J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mamie. Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre toute première fois de tomber sur ma chaîne, coucou les divas. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mamie. Si c'est votre toute première fois de tomber sur ma chaîne, je vous invite à pouvoir vous abonner. Après avoir suivi l'émission, laissez vos pouces, vos commentaires. Et si vous avez aimé, pourquoi ne pas partager? Alors, pour aujourd'hui, on se retrouve sur Zara Fashion Haul. Ce qui s'est passé pendant le Black Friday, j'ai quand même acheté quelques articles. En fait, j'ai acheté des choses dont j'avais vraiment besoin. Alors, j'avais besoin d'un manteau, mais malheureusement, le manteau n'était pas en solde. En fait, je l'avais déjà dans le panier, mais du coup, le jour de Black Friday, je suis allée voir, le manteau était toujours à 224$. Donc, je me suis dit, 224$? Non. De toute façon, nous sommes à la maison. Je n'ai pas envie de dépenser 234$ pour un manteau. C'est pas comme ça les femmes. Pour le moment là, on part nulle part. On est tout le temps à la maison. Un manteau de 224$. Je pars où avec? Alors du coup, j'ai dit non. Comme c'est 224$, ce n'est pas en solde. Donc du coup, je vais prendre d'autres articles que je peux porter à la maison. Parce que même à la maison, on peut toujours se faire belle. Mais avec un manteau à la maison, je ne peux pas porter un manteau à la maison, évidemment. Alors je lui dis que je vais prendre les choses qui sont très essentielles. Alors pour commencer, je vais dire un grand merci à la compagnie Happiness Boutique. C'est une compagnie qui vend les accessoires pour les femmes. Le boucle d'oreille, le chaînette, le bracelet. Tous les accessoires pour les femmes. En fait, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de sélectionner quelque chose. Alors je sélectionnais ce que je voulais et ça fait comme un mois que je l'ai déjà. Je voulais d'abord voir la qualité pour être sûr que la qualité était très bonne. Alors du coup, aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous la chaînette que moi j'avais choisi. J'avais choisi quelque chose de très simple. Il m'avait demandé de choisir ce que je voulais, mais moi j'ai commandé quelque chose de très simple parce que j'ai déjà des bijoux très très compliqués. Alors du coup, je me suis dit ok, je vais choisir quelque chose de très simple, quelque chose de très propre, quelque chose de très chic. Pendant le temps de fête, je me suis dit ok, ça serait une bonne idée de vous présenter ça. Vous pouvez faire un petit cadeau à votre maman, à votre soeur, à votre fille, je ne sais pas moi. Chaîne est bien fine mais très bien raffinée, j'aime énormément et elle est juste magnifique. Et les prix sur leur site internet, c'est vraiment abordable. Et lorsque j'ai vu ça, ils ont plusieurs modèles, je peux pas vous mentir, ils ont plusieurs modèles, des très très belles chaînettes. Vous allez devenir fou ou folle, même si je peux dire. Mais checkez sur le site internet, je laisserai mon code de rabais dans la barre d'infos si vous êtes intéressé pendant. Voilà, voilà, c'est comme ça que ça se présente. C'est juste très très chouette. J'aime énormément. Comme je vous ai dit, ça fait un mois que je l'ai reçu et je me disais que non. Je dois d'abord essayer la qualité pour voir si ça va résister. Et puis, j'ai beaucoup aimé, raison pour laquelle je vous l'ai présenté aujourd'hui. Donc, comme je vous ai dit, je laisserai les codes de rabais dans la barre d'infos. Si vous êtes intéressé, vous aurez 10% off de ma part. Ok? C'est vraiment chouette et la qualité est très très bonne. Surtout pour le temps de fête comme ça, pourquoi ne pas acheter pour votre membre et des familles. Donc voilà, je ne peux pas commencer cette vidéo non plus sans dire merci. Merci à la fille qui prend soin de ma tête, Sarah Amani. Sarah Amani de Makambo. Alors Sarah a toujours la promotion pour le temps de fête. Si vous êtes intéressé, consultez Sarah. Si vous voulez les cheveux bouclés comme ça, comme Mamie aujourd'hui, comme ça. Contactez Sarah Amani, je laisserai son nom quelque part ici. Comme ça, si vous êtes intéressé, contactez-la sur son Instagram. Je mettrai son numéro de téléphone, son nom sur Facebook. Je mettrai ça quelque part ici si vous êtes intéressé. Et je laisserai d'autres informations dans la barre d'infos. Sarah Amani de Makambo. Donc, pour toutes vos périques, contactez Sarah Amani. Alors, on va commencer notre fashion haul. Let's go! Alors, la première des choses qui m'a attirée. En fait, ce que je fais la nuit, la journée d'avant, en fait, c'est ça. J'avais déjà sélectionné tout dont j'avais besoin. Je l'ai mis dans le panier. Parce que, en fait, ce qui s'était passé, sur l'application, le sort commençait à 20h. Et sur le site internet normal, le sort commençait à 21h. Alors, moi, j'avais déjà sélectionné tout dont j'avais besoin. J'avais déjà mis dans le panier. Et tu peux aller naviguer, aller chercher, non. Directement, je suis allée dans mon panier, j'ai acheté et puis ciao. Alors, la première des choses qui m'avait attirée, c'était cette robe ici là.
Même si tu as des défauts sur ton corps, cette robe va tout camoufler. La robe que j'ai pris là, vous savez, moi, j'aime pas vraiment trop comme des robes et puis des jupes et tout ça là. Mais cette robe, c'est un coup de cœur. Cette robe là, vous voulez voir la robe? Vous voulez voir la robe? La robe, c'est en cuir. La robe est juste magnifique. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça va cacher tous vos défauts. Le ventre, le bras, ça va tout cacher en fait. C'est une belle robe, c'est noir, c'est en cuir, c'est juste moi la robe. De toutes les façons, vous allez le voir sûrement aussi. La robe est là, la robe noire là. La robe de chez Zara. Vous voyez ces détails ici là, à côté de votre waist. Hein? Ça embrasse bien le corps, ça vous donne une très très belle forme. La robe est juste moi. La robe que vous voyez là. Ça vient avec des boutons tic-tac, si je peux dire, tic-tac. C'est vraiment joli. Et moi, comme avec le tissu cuir, j'ai toujours peur. Covid comme ça, tu ne veux pas renvoyer la robe parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu seras remboursé. Alors du coup, je préférais de ne pas prendre le risque. J'ai pris la taille large. Oui, c'est un peu gros sur le bras. Et puis côté taille, c'est un peu loose. Mais en tout cas, ça ne me dérange pas. Vaut mieux que ce soit grand sur moi, que ce soit petite. Je préférais comme ça. Alors, j'aime énormément la robe. Et j'aime bien côté... côté intérieur, c'est comme si c'est du daim, en fait. C'est comme ça. Voilà, côté intérieur. Côté extérieur, c'est vraiment du cuir. Voilà. C'est vraiment chouette. J'aime bien le manche. Le manche, c'est un peu bouffant aussi. Vous savez bien que j'aime bien le manche bouffant. Et voilà. C'est comme ça. C'est vraiment joli. J'aime bien le détail. C'est super chouette. Et voilà. Surtout ces côtés, côté taille, oh mon Dieu, ça vous donne juste une très très belle forme. C'est super joli, c'est une robe très très classe. Elle est aussi longue. Moi j'aime des robes longues, aussi longtemps c'est très classique, ça ne me dérange pas du tout. Alors la robe est juste très très chouette, vous allez voir ça sur moi. La robe était à 79,99$. Comme référence, moi j'ai pris la taille large. J'essaierai de mettre toutes les références dans la barre d'infos pour vous. Pour vous rendre la tâche facile. Mais je ne sais pas s'ils ont toujours ça. Ça, je ne sais pas. Mais je vais vous donner les prix exacts que moi j'ai acheté la robe. Les 79$ à tout doudou. On va voir. Ok, purchase. Ok, on va voir. Moi, je l'ai acheté à combien exactement. La robe, moi, je l'ai pris à 47,99$ canadien. Alors, la robe est noire. Donc, j'ai pris la taille large. La robe était à 79,99$. Et moi, je l'ai à 47$. Pas mal. Je pense que c'était à 40% off, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était 40 ou 50% off. Donc, which is not bad. Une robe comme ça, vous allez porter ça pendant longtemps. Ok? Parce que des robes comme ça, tu ne peux que porter ça peut-être pendant l'hiver, pendant l'automne, avec même des bottes, des chaussures, comme vous voulez. Style it like you want. La deuxième chose que je prie chez Zara, vous savez, moi j'aime beaucoup les jeans. Je sais pas, je peux avoir comme 50 jeans, mais je me fatigue jamais des jeans parce que je trouve que c'est juste relax, c'est juste cool. J'adore les jeans. Si ce n'est pas le jean, ce sont des robes. Si ce n'est pas le robe, ce sont des jupes. J'aime bien le jeans. Je trouve que ça dépend de la façon dont vous portez ça. Si vous portez ça avec un blazer, ça ramène cette élégance avec le talon haut. C'est juste joli. J'ai un amour spécial avec le jeans. Alors, lorsque je vis chez DJ, j'ai dit, ok, je peux que prendre. En plus, c'est en solde. Donc, moi, mes jeans, je les achète chez Fashion Nova.
Si ce n'est pas chez Fashion Nova, j'achète chez Zara. Ce sont les deux magasins. Et puis de temps en temps chez Guess. Voilà. De temps en temps chez Guess. Ce sont les trois magasins que j'achète mes jeans. Couleur jeans, c'est la bonne qualité. Ça reste pendant longtemps. Ça tient pendant longtemps. Même si vous lavez, ça résiste. Ça reste longtemps. Alors lorsque je vis ces jeans, et c'est le dark blue. Donc c'est un bleu foncé. Et j'aime énormément. Surtout si vous avez des grosses cuisses et que vous voulez camoufler ça. Portez des jeans qui sont foncés, vous allez voir la différence. Alors le jean est là, voilà, il se présente comme ça. Il est tout simple, mais j'aime la couleur, c'est juste chouette. Ce sont des couleurs qu'on trouve très rares, très très rares. J'aime beaucoup, et puis c'est un peu taille haute, j'aime énormément. Le jean était à le jean était à $59.99. C'est juste joli, c'est la taille haute et j'aime énormément, j'aime bien la couleur. Comme je vous ai dit, j'ai acheté des choses dont je crois que j'avais besoin. Je n'ai pas voulu dépenser très bêtement parce que on ne sort pas, on est à la maison. Raison pour laquelle je refusais d'acheter ce manteau. Parce que je m'attendais à ce que ça soit à 50% off. Alors du coup, c'était à $19. J'ai dit non. De toute façon, je pars nulle part. Alors, j'ai beaucoup aimé les jeans. Parce que les jeans, on peut toujours les porter à la maison. Moi, je porte des jeans au travail. Je porte des jeans ou encore même à l'église. Un jean comme ça, vous pouvez porter ça partout. Et puis, ce qui est bien, c'est dark blue. Avec un dark blue, you cannot go wrong. Le prix était à $35.94, donc $36. Voilà. Donc, quand je vu ça, j'ai aimé. Et le prix m'avait plu en fait. C'était à $35. Je ne m'étais même pas rendu compte que ce n'était pas en solde. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un bon jean. Et puis, c'est épais. Ça s'étire un peu. Oui, juste un peu. Il y a un peu de stretchy. Oui, ça s'étire. Vous voyez? Il y a un peu de l'élastique. Ça s'étire un peu. J'aime beaucoup. J'aurais dû prendre la taille 8. Mais ces dernières temps, comme je sens la culpabilité, je me dis que j'ai grossi. Alors, je ne voulais pas prendre le risque. J'ai pris la taille 10. Mais normalement, moi, chez Zara, côté jeans, je porte la taille 8. Et comme ça s'étire comme ça, j'aurais pu prendre la taille 8. Mais ce n'est pas grave. Donc voilà. Chose que je prie encore, c'est un jean. C'est un jean, comme je vous ai dit, vous savez déjà, j'aime beaucoup le jeans. Donc, I can't resist jeans. I don't know why. It's just me, I love jeans. Alors, lui-là, il était à $59 aussi. Je l'ai mis à $37 aussi. Et j'aime bien ces jeans. A little bit of distress, pas trop. Juste un peu. C'est pas grave. C'est pas grave. Juste un peu, je trouve que c'est joli, très très joli. Mais sincèrement, vous savez quoi? J'ai plusieurs jeans qui est wash comme ça, de laver comme ça. J'en ai plusieurs. Mais chaque fois quand je vois des jeans comme ça, je ne sais pas. I don't know. Je ne sais pas si c'est une maladie ou comment. J'ai trop de jeans. Je ne me fatigue pas de jeans. I don't know. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Alors, celle-ci, je l'avais pris à la taille 10. Quand je dis taille 10, c'est la taille 10 US. Alors, en UK, c'est la taille 14. OK? Et après, je sais qu'il y a des gens qui vont me poser cette question. Donc, voilà. Et donc, c'est un peu high waist. Vous savez, les high waist, c'est le meilleur jeans pour les femmes qui ont le ventre. Si tu as un ventre, ne porte pas la taille basse. Hein? Sinon, ça va juste tomber comme ça. Alors, c'est préférable, lorsque tu as un gros ventre, de porter un jean à la taille, qui est à la taille haute. Comme ça, ça va bien camoufler le ventre. Ça, c'est un petit secret. OK? That's how we hide it. Donc, voilà. Il est chouette, j'aime énormément, super joli. Vous allez voir ça sur moi. Ça, j'appelle ça, ce sont des jeans très classiques. Avec un très beau blazer.
avec une très belle chemise, avec un très beau talon. Tu prends le chevet comme ça, hein, avec des boucles, des accessoires. Madame, madame. Alors j'ai pris cette blouse, ça vraiment j'aime, ça c'est mon coup de cœur. Donc la robe, c'est tunique. Et puis la prochaine chose que je vais vous montrer, oh my god, I just love it. Parce que le jeans là, j'en ai beaucoup, c'est pas un problème. Mais je l'ai salué avec le maquillage quand j'ai essayé pour vous. Vous voyez comment c'est trop de travail. Donc je l'ai salué, après ici je dois aller laver ça. Non mais je vais quand même vous le montrer. It's just beautiful. Regarde comment je l'ai salué. Voilà, comme ça. Est-ce que vous pouvez voir? Je ne sais pas trop. Voilà, je l'ai scellé avec le maquillage. Je vais aller laver ça tout de suite. Mais this is just beautiful. De chemise comme ça, je peux garder ça des années et des années. Parce que je trouve que c'est juste classique. Une chemise longue comme ça, c'est... il y a le... comment on appelle ça? En anglais, on appelle ça les splits. Donc, c'est ouvert des côtés. Il y a des fentes à côté. Voilà, les splits. Il y a les fentes à côté. C'est juste, it's just beautiful. C'est juste élégant. C'est juste wow. Avec un beau jeans, avec un pantalon smoky noir, avec un très beau talon. Oh, En fait, c'est le mélange de coton et puis le tissu normal. Regardez-moi comment c'est long. Et puis, c'est ouvert de côté. Regardez. C'est ouvert de côté. This is so beautiful. Et le prix était vraiment abordable. J'ai beaucoup, beaucoup aimé la chemise très, très longue comme ça. Moi, les choses comme ça, je trouve ça juste classe. Les choses comme ça, lorsque je pars dans le magasin, même si j'avais d'autres choses à prendre, je vais abandonner, je vais prendre ça. Parce que ce sont des choses qu'on trouve très rarement. Moi, j'aime des pièces vraiment classiques. Je porte, j'envoie au lavage, je garde dans ma garde-robe. Chaque fois dont j'aurai besoin, je vais porter. Ce sont des choses très, très classiques. Ce sont des choses, lorsque tu portes, les gens te demandent, « Oh, where did you buy it? » By the way, je m'excuse pour mes ongles. Vous savez, les salons sont fermés. I cannot wait. Dès qu'ils ouvrent, je vais aller faire mes ongles, ok? Ne me jugez pas. Please, do not judge me. Lui, il était... Ah, je vais juste aller laver ça tout de suite après. Ok, je vais juste voir le prix. I don't think that je n'ai plus le tag. Je vais voir le prix. Lui, il était à 23,94$. Dis-moi un peu, 23$ seulement. Une belle blouse comme ça à 23$. Donc, du coup, lorsque j'ai vu ça, j'ai tellement aimé. J'ai dit, non, I'm not letting you go. Et puis dans cette vidéo, j'ai combiné deux vidéos. Je vais aussi vous montrer
ma collection de manteaux de chez Zara, mes manteaux que j'aime énormément, mes manteaux classiques que j'ai, ça fait plus de 2 ans. Il y a d'autres que ça fait plus de 3 ans, il y a d'autres que ça fait plus de 2 ans. Juste pour vous montrer comment quand tu achètes quelque chose de qualité, quelque chose de très bon, vous pouvez garder ça pendant longtemps. C'est pour cela, moi, j'aime acheter des manteaux très classiques. J'achète toujours mes manteaux pendant le Black Friday. Je n'ai pas compris comment ils n'ont pas réduit le prix de manteau dont j'avais besoin. Raison pour laquelle j'achète le jour de Black Friday, parce que j'aime le manteau de qualité. Le manteau cher là, et dès qu'ils mettent ça à 40% off, je profite, j'achète. Chaque année, j'achète un manteau, c'est ça, chaque année. Je n'achète pas deux, j'achète un manteau, à moins que je vois quelque chose de très beau en spécial. Mais en tout cas, la plupart du temps, j'achète un manteau par année. Donc, j'ai dû collectionner vraiment des très beaux manteaux pendant tous ces temps. Là, je vais vous montrer seulement mes collections de manteaux classiques. Mais j'ai d'autres manteaux aussi des Zara, de manteaux Puffy, des manteaux un peu différents. Mais mes manteaux classiques, je vais vous montrer juste après cette vidéo. The last but not least. Celle-ci là, aïe! Mon coup de cœur! Mon coup de cœur! Celle-ci, mon coup de cœur! Mon coup de cœur! Celle-ci, je vais vous montrer ça. Ça, c'est juste the best of the best. On dit quoi? La cerise sur le gâteau, voilà. Voilà, ça, c'est la cerise. Les tout dernières là, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, la cerise sur le gâteau, voilà. This is top. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, dans le panier, j'avais le manteau et le cap là que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais je n'ai pas pris le manteau, mais j'ai pris les caps. Je suis soulagée. J'adore, j'aime énormément, j'aime énormément. Moi, le cap. Regardez-moi les détails au cou. Regardez-moi ça. C'est juste classe. Vous savez les filles, il faut avoir toujours des choses très classiques dans votre garde-robe. Des choses très rares à trouver. Des pièces qui confondent le genre. Le gens se pose des questions. Où elle a trouvé ça? Oui, 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 c'est très important. Regardez-moi comment c'est juste beau. Regardez-moi ça. Un très beau cap comme ça, avec une très belle chemise. Manche longue, une chemise toute blanche. Et vous prenez ces caps. Vous mettez ça avec un beau talon, avec un beau jeans, avec un beau pantalon. Macambe baby. De magnifique, j'ai juste joué. Les détails, c'est it's crazy. Details are just crazy. I really love it. This is just top, best of the best. C'est vraiment chouette, très très joli. Et lui, il était à 179 $. Mamie, quoi? J'en ai deux. L'année dernière, j'avais acheté le brun. Pour les gens qui me suivent, ça fait quand même un temps. J'avais fait un fashion haul et je vous avais montré le brun. Oui. Le même prix. J'avais acheté ça aussi le jour des Black Friday. Pratiquement le même prix aussi. Et il y a eu le noir. Mais c'est un peu différent. C'est un peu plus modifié, je pense. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ce sont le même modèle. C'est juste c'est le cap aussi. Mais c'est un peu plus modifié. Il y a plus de détails comparés à celle que j'avais achetée l'année passée. Raison pour laquelle j'ai choisi la couleur noire, parce que l'autre est brun. Donc, du coup, j'avais voulu vraiment la couleur noire. C'est vraiment joli. 179 $. Oh, yes! 179 $! Mais je l'ai acheté à 40% off. Quoi, avec 40% off, c'était à combien? Let's see. Le cap avec... vous voyez? Le 40% off, c'était à 107 $. Which is not bad. Ce sont des choses, ça, ce sont des collections. Ouais, ce sont des collections. Tu gardes ça comme ça des années et des années, des années et des années. Et ce qui est bien avec ça, tu portes ça seulement pendant l'hiver. Pendant peut-être 2 ou 3 fois, tu gardes encore. Donc, tu vas garder ça pendant longtemps. Et j'aime énormément. Donc, je l'ai eu à 107 $. Donc, comme je vous ai dit, je laisserai le référence pour vous dans la barre d'infos. Alors, je pense que...
Alors voilà le cap numéro 2, la couleur brun que j'avais acheté l'année passée pendant le Black Friday que j'aime aussi. Ce classe, je vais voir s'il y a, toujours sur le site internet et je vous laisserai les informations dans la barre de... Alors le manteau noir, toujours de chez Zara, super joli, très très classique. Alors ces manteaux, ça va faire plus de 5 ans que j'ai ces manteaux. J'aime ça énormément, ça prend bien la taille. Donc j'avais choisi exactement ma taille parce que je voulais que ce soit vraiment sur mesure. J'aime beaucoup, je trouve vraiment que c'est classique. Toujours chez Zara. Alors, notre deuxième manteau, et ça c'est du oversize, je pense que c'est la taille large ou XXL, c'est un manteau que j'ai acheté l'année passée pendant le Black Friday, j'aime énormément avec un gros bouton, oh là là, c'est un coup de cœur. Et là, nous avons notre troisième manteau que j'aime beaucoup. J'adore la couleur. Ça va très bien avec ma peau et c'est toujours très, très classique. Et là, nous avons notre quatrième manteau. C'est comme une veste. C'est aussi du oversize. Je pense que la taille est le XL comme l'autre. L'autre manteau précédent, j'aime aussi. C'est vraiment joli. Celle-ci, je l'avais aussi acheté l'année passée pendant le Black Friday. Et là, finalement, nous avons un manteau cap. Et ces manteaux, ça va faire plus de 5 ans que j'ai ça. Et j'aime, je trouve vraiment, c'est très, très classique. Donc voilà, super joli. Ça prend bien mon corps. Je pense que la taille, c'est médium, si je ne me trompe pas. Et voilà, c'est toujours, toujours dans les côtés classiques. Voilà. Alors, on se retrouve très prochainement. Je vous aime beaucoup. Bye. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Fashion Elegance, là où je partage avec tout le monde sur la mode, la maison, la cuisson, bien sûr, sur Instagram, sur mon story, je partage beaucoup de choses. Donc, suivez-moi sur Instagram, Fashion Elegance, vous ne serez pas déçus, je laisserai ma page quelque part ici. Alors, on se retrouve très prochainement. Bye!